Hey, salut Jean-Claude. Oh là là! Je t'ai là. pas vu. Hein? Ça va? Tu vas bien? T'es venu par où? Oui, T'es venu comment? J'ai descendu en rappel. Oh purée! Tu vas bien? Je vais bien, super bien, oui. Et toi? J'espère que vous allez bien. Salut à tous. Ouais, écoute, ça va, je suis en forme. Pour une fois, je suis en forme. Pour les reviews, des fois, je suis un peu fatigué, mais là, ça va. T'as vu, je me suis coupé les cheveux? Ah non, j'avais pas fait gaffe. Ça va, non? Qu'est-ce que vous en pensez? T'as des pellicules. Ouais. J'utilise de mauvais shampoing. Et moi, qu'est-ce que mais tu penses? Mais en fait, j'ai coupé moi-même. C'est bien, non? Si c'est pas bien, dites ouais, Jean-Claude, arrête d'acheter des figurines, va chez le coiffeur. Non, ça va. Moi, je suis chez le coiffeur, mais il a pas osé me faire trop court. Enfin, bref. Aujourd'hui, alors une vidéo que j'avais envie de faire parce que vidéo de ouf. On va vous présenter. Alors, désolé, on vous présente encore du Iron Man, mais cette fois. Eh ben là, c'est vrai. Pardon, je t'ai. C'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu. C'est ouf parce que c'est dingue. Jamais. C'est une figurine 1/6. Oui. Hot Toys. Pour moi, c'est du Hot Toys. On va vérifier parce que moi, j'ai des doutes. Donc, Noémie a acheté dans ouais, une. Oui, Noémie est allée dans une boutique de comment on appelle qui ça? Friperie. Oh, ils savent maintenant, ils savent. Ah, c'est pour les nouveaux. C'est pour les nouveaux. Elle est allée dans une boutique de friperie, là où elle a l'habitude, et elle a vu une figurine. Oui. 1/6. Et moi, je bossais. Donc, j'étais en train de rouler. Elle m'a appelé moi. Enfin, j'étais en train de faire le tram et j'ai mon téléphone qui sonne 4 fois. Et je me dis, oh, ça y est, il y a un problème avec le petit et tout. Et quand tu roules, tu peux pas prendre le téléphone. Donc, j'attends d'aller au terminus. Et là, je prends le téléphone. Je lui dis, allô, qu'est-ce qui se passe, machin? Ah, j'ai trouvé une figurine. Et moi, je suis inquiet tout le long du chemin. Je me dis, purée, ça y est, il est arrivé quelque chose. Entre-temps, elle m'a appelé moi. Elle me dit, écoute, Mickaël, j'ai trouvé une Hot Toys Iron Man. Elle me dit, celui-là qui est tout gris métal. J'ai dit, moi, le gris métal, c'est la marque 1, enfin, la marque 2. Je lui dis, le prix, ouais, quand on parle du prix. Moins de 100 euros. Ah oui, moins de 100 euros. Moins de 100 euros. Je lui ai dit, oula, t'es sûr que c'est du. Elle me dit, écoute, je fais quoi? Je le prends? Tu la veux? Je lui ai dit, écoute, prends-la. À ce prix-là, prends-la. Si Jean-Claude la veut, tu la lui laisses. Sinon, moi, au pire, je te donnerai des sous. Bref. Elle vient avec la voiture et elle me présente ça. Alors, elle n'est pas complète. En sachant qu'il n'y a pas le sleeve, le surcarton. Il n'y a pas le sleeve, il manque le. C'est de l'occasion, hein. Il manque le socle. Il manque le socle. Alors, c'est la Iron Man Mark II, l'armure, et c'est la MMS 150. Alors, pour moi, la présentation, parce que je n'ai pas vu de bootleg sur Internet de ça. Moi non plus. La présentation, c'est. Il y a Hot Toy, il y a le logo Hot Toy. Ouais. C'est plutôt de qualité le carton, hein. Ouais. J'ai vu des reviews, c'est la même boîte, hein. Voilà. Donc, pour moi, ce serait ça. Hein. Ouais. Armor, nanana. Par contre, le personnage. Alors, c'est pas Iron Man, c'est pas. C'est le Black. C'est pas Tony Stark. Non, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, là, son. Bon, c'est. Bon, les boîtes, les. Comment? Le plastique, ça c'est clairement du Hot Toys. Hein. Ça, c'est du Hot Toys. Ouais, c'est pas un plastique. Non, ça c'est. De merde. Alors, je l'ai eu en main. Alors pour moi, Yann. Ouais, il y a marqué Hot Toys. Il y a marqué Hot Toys. Officiel, ouais. Parce que je l'ai trouvé. Sur le pied, il y a marqué Hot Toys. Ouais, vu le sculpte. Les mains, regarde, ils sont tous articulés. Les doigts. Le sculpte, il est beau. Le sculpte, il est beau. Et ouais, t'as raison, je crois que c'est vraiment du Hot Toys. Alors, je veux pas dire, mais. Quand ils s'embêtent à faire une bootleg, ils te mettent pas un sachet écrit Hot Toy dessus, un sachet avec les boules de. Non, effectivement, j'avais eu un doute. Et il y a des light-up partout. Hein. Il faut que ça sonne encore ou il faut que tu changes les piles? Non, il faut changer les. En fait, j'avais eu des doutes. Tu sais pourquoi? Regarde, l'articulation là, ça me paraissait un peu un plastique un petit peu simple. Ouais. Mais elle date, hein, c'est la MMF 150. 2012. 2012. Elle a 10 ans. Donc, non, je crois que c'est une vraie. Je crois que c'est la vraie. Alors, et par contre, il manque juste le plastron. Ouais, elle est pas complète. Bon, après, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est une vraie ou pas? Et est-ce que vous l'auriez pris à 60 euros? Oui, donc on vous dit le prix, 60 euros. Regarde, ça s'ouvre derrière, il y a un light-up dans les bras. Ouais. Il y a un light-up dans la tête. Ouais. Il a les jambes de rechange. Il a les jambes endommagées, je crois. Non, les jambes sans les. Comment on appelle ça? Si, c'est du Hot Toys. Si, je reconnais les. Après, elle est un peu rayée sur la tête là. Ouais, mais c'est de l'occasion. Hein. Et là, devant.
Mais elle est franchement. Est-ce que tu la gardes au fait? Parce que oui. C'était pas. Je suis désolé, Mika. Hein. Je suis désolé, mais. Tu la gardes, il y a des flaps en fait, derrière. En fait, je suis pas un féru de Iron Man, mais c'est rien que pour l'histoire. Ah, sympa. Parce que une figurine, elle a aussi une histoire. Bon, ouais. C'est bien beau d'acheter une figurine sur Internet, machin, on la reçoit et tout. Mais là, il y a une vraie histoire. Noémie, elle est rentrée, elle était toute oui. folle. Elle m'a dit, ouais, j'ai trouvé une autre toy. C'était. Malgré que j'ai eu des doutes, que je lui ai dit, c'est peut-être ouais. bootleg. Mais non, je l'ai vu trop rapidement. Mais effectivement, c'est une vraie. Tu certifies. Je certifie. Tu certifies que c'est une autre toy. Ouais. Non, ouais. C'est de la qualité. Après, on était dehors. Je l'ai eu vite fait dans les mains. Voilà. Après, elle est repartie. Mais c'est vrai que bon, moi, je l'aurais vu, je l'aurais aussi pris. Hein. Ah ben bah, là, elle a fait une bonne affaire. Ah ouais, ça marche bien. L'aimant, tu vois, aimanté, ouais. Le casque. Ah, je suis. Mais c'est vraiment et c'est fou parce qu'en ce moment, on fait. En ce moment, on fait les Iron Man. Les Iron Man, regarde-moi ça, Mika. C'est vrai que, désolé pour ceux qui n'aiment pas Iron Man, mais c'est vrai que là, c'était pas prévu, celle-ci. Ouais, c'est de la hauteuil, ça. Tu vois, je pense que... De toute façon, un sculpte comme ça, il est super. Oui. Hein. Il est magnifique. Hein. Ouais. Ça va, t'as quand même pas mal d'accessoires. Après, c'est dommage, ouais, il manque T'as la tête sans le socle. Mais t'as la tête avec le casque. Là, j'ai même dit à Noémie non, tu n'es pas cocu. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé une autre toy à 60€. Attends, tu regardes, on va peut-être pouvoir lui. Est-ce que c'est aimanté? Ouais, oui. C'est génial. Oui, jamais de la vie une qualité comme ça pour un bootleg. C'est clair, ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi sur le coup j'ai eu un doute. Alors je sais pas si on peut acheter le plastron en... Non, je pense pas. Hein. Si, bah, ça quoi? Sur eBay, hein. Tu crois qu'on peut acheter le plastron? Ouais, elle est sympa. J'aurais dû lui donner des sous, j'aurais dû la prendre. Là, je regrette. Alors, je la vends, 460€. Non, franchement, je suis vraiment content. Et 60 balles. À chaque fois que qu'on me demandera cette figurine, elle est belle, machin, je lui dirais ben, cette histoire, quoi. Hein. Noémie, elle l'a trouvée. Elle l'a trouvée. Elle l'a trouvée dans une boutique de fripe où ils font un peu des vêtements, des trucs d'occas, tu sais. Et puis. Ah, un peu du mal à tenir. Ouais, un peu du mal à tenir peut-être. Hein. Après, ouais, tu peux trouver un socle, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Je crois qu'elle fait aussi de la lumière au pied, tu vois. Ouais. À mon avis, t'avais peut-être une tige dynamique, tu sais, pour le mettre en l'air. Parce oui. Que écoute, il y a un light up aussi au pied. Je verrai. Tu vas me la laisser. Alors, quand je fais des visuels et je vais voir. Je crois que j'en ai. Je t'en laisserai une. Deux light up au pied. Deux light up au bras. Ouais. Un light up au casque et un light up. Ça coûte cher en pile. Hein. Les piles, ouais, bon, elles marchent plus là, je pense que c'est là, faut les changer. D'ailleurs, faut que je les sorte parce que si elles se. Ouais. Non, mais le design est sympa. Moi, je l'aurais pas acheté, mais bon, à ce prix-là, si tu l'aurais pas pris, je lui aurais donné les sous, hein, je l'aurais pris. Hein. Ouais, même en bootleg, tu vois, ouais. Mais c'est... pour mais moi, écoute, c'est sûr que c'est pas un bootleg. Tu diras à Noémie, Mickaël a confirmé, c'est une vraie. Voilà, 100% certifié by Mickaël. By mon monde de geek. Voilà. Toys. Mais je suis vraiment curieux, vous l'auriez pris, vous l'auriez laissé. Est-ce que pour vous, c'est une vraie? En plus, c'est pas grave, c'est la place où pour moi, je me suis arrêté là. Hein. J'ai vu là, en bas, Hot Toy. Ouais. TM 2012. En plus, c'est avec le logo, tu sais, c'est un logo. Le truc où c'est certifié. Ouais. Puis même des détails comme ça, une bootleg, il s'emmerderait pas. Ouais, jamais. Et il mettrait pas de light-up en fait. Hein. Ouais. Je pense pas. Parce que je sais qu'il y a des genre les Crazy Toys là, tu sais, les Iron Man, il y en a, mais c'est pas cette qualité. Alors je veux pas dire, mais je commence à me faire ma petite collection d'un sixième. Hein. Et ouais, mine de rien, franchement. Mine de rien, ouais ça. Non, elle est sympa, franchement. Elle est mais cool. Là, c'était vraiment une chance sur combien? Ouais. La chineuse, hein, Tati. Ouais, c'est vraiment une chineuse. Tati chineuse. Tata chineuse. Tata chineuse. Sur Instagram, Tata chineuse. Bah écoute, merci beaucoup Jean-Claude. Mika. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, hein, parce qu'en tout cas, moi, je suis vraiment content. Ouais. Ben ouais, je regarde, j'aurais peut-être dû la prendre. On peut tout de suite s'arranger. Oui, j'ai des sous, hein, si tu veux. On part sur combien? Sinon... combien? 300 Non, rien que pour l'histoire. Non, c'est classe. Merci beaucoup. Mika. Au revoir à tous, à la prochaine. Ciao, ciao.